Salut à tous les amis, c'est Dragon Fire et qui va vous présenter une vidéo d'idées que j'ai eu les amis. Je vais déjà vous présenter avec quoi j'ai je vais vous présenter l'idée. Voilà, donc j'avais une petite idée là-dessus. Donc je vais vous proposer autre chose que du gaming, parce que le gaming c'est déjà une bonne chose sur la chaîne, mais il faut bien que je vous propose autre chose pour ceux qui n'aiment pas trop le gaming. Donc j'ai décidé de vous présenter ceci. Premièrement. Il est petit. Il est là. Ça commence bien. Nous avons les aventures du jeune Jack Sparrow qui font une petite dérivée des Pirates des Caraïbes. Pour ceux qui connaissent pas, j'en ai trois au total de ces aventures de Jack que je pourrais vous lire en vidéo de la bibliothèque verte, de cette catégorie de la bibliothèque verte. J'ai ainsi, pour ceux qui sont un peu plus basiques, qui aimerait revisiter les classiques, les quatre aventures, parce que j'ai pas le cinquième, je crois qu'il n'est pas encore sorti en livre, de Pirates des Caraïbes, qui est toujours pareil, de la bibliothèque verte. J'ai les quatre albums des films à vous lire si vous voulez, amis. J'ai aussi de la même catégorie de la bibliothèque verte, et que vous avez entendu une petite musique d'Astérix et Obélix. J'ai Astérix au service de Sa Majesté, qui fait partie de la bibliothèque verte ainsi. Que les Pirates des Caraïbes, qui reprend l'album du film que je pourrais vous lire pour qu'on connaisse un petit peu l'aventure. Ceux qui ont vu le film, pour qu'ils me disent si ça ressemble bien au film. Dans la même catégorie, les Astérix, parce qu'on est parti dans les Astérix. Vous connaissez les albums des Astérix, les bandes dessinées, les BD du moins, pardonnez-moi. Donc j'ai les bandes dessinées des films Astérix et Obélix, j'en ai deux ou trois qui reprennent vraiment l'histoire des films et que les images sont ainsi pareilles, qui sont reprises de films, les images sont reprises des films, regardez, vous ne voyez pas, voilà. Dans la même catégorie des Astérix, qui dit bande dessinée, dit que j'ai aussi toutes les bandes dessinées des Astérix. Donc pour les fans d'Astérix, je peux vous le relire de la 1 à la 37, parce qu'il y en a 37 de souvenirs, toutes les bandes dessinées d'Astérix. Voilà. Ainsi, nous continuons avec un autre livre, pour ceux qui aiment bien l'introfilm de Narnia. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont bien, pardonnez-moi, aimé les Narnia. J'ai tous les livres de 1 à 7. N'oubliez pas qu'il n'y a que 3 films de Narnia, 3 films. Alors que les films, les livres, il y en a 7. Donc je peux vous les proposer, du 1 à 7, à vous les lire tous. Suivant, nous partons pour, on va continuer, avec les fameux Tintin, les amis. Parce que j'ai des Tintins à vous proposer, j'en ai 7 chez moi. Et un peu plus si je lis ceux de ma grand-mère, pour vous proposer de revisiter toutes les, comment ça s'appelle, les aventures de Tintin. Héros d'enfance. On va continuer dans la... Maintenant, c'est catégorie un peu autre. Je vais vous proposer aussi des livres, peut-être que vous connaissiez, peut-être que vous ne connaissiez pas, qui représentent donc d'autres histoires de d'autres héros que vous connaissez peut-être pas. Comme par exemple, celui-là, c'est La Vague Fantôme, Robert Muchamore, Cherub / 12. Je n'en dis pas plus. Ainsi, je vous propose aussi, je vais essayer de vous les lire, des mangas One Piece et la Guerre des Titans que j'ai. La Guerre des Titans, j'en ai 2 ou 3. One Piece, j'en ai 3, c'est sûr. J'essaierai d'en récupérer un peu plus pour pouvoir vous les lire. Et j'essaierai de vous les lire parce que j'arrive pas trop à lire les mangas, mais j'essaierai, vous inquiétez pas. Et aussi, les amis, les incontournables de notre enfance, les petits Disney. Pour les fans des Disney, je vous les lirai, vous inquiétez pas. Pour ceux que j'ai, ouais. Parce que je les ai peut-être pas tous. Je vais y arriver, oui, mince, hein. J'essaierai de vous les lire. J'ai d'autres types
deux livres, les amis, que je peux vous proposer, mais c'est pas aventure, donc c'est peut-être moins bien, et qui sont donc des... Retrouver les personnages, hein, dans des livres de retrouver des personnages, des livres de documentaires, des Larousse d'histoire, qui vous rappellent un peu qu'est-ce qui s'est passé à une époque, blablabla, quoi, et d'autres livres donc qui reprennent la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai aussi les plus grandes batailles de l'histoire, mais bon, c'est pas des histoires, donc ça vous plaît peut-être à moins. J'ai ainsi donc des livres qui sont beaucoup gros, qui ont beaucoup de pages, donc je sais pas, je pense les faire plutôt en plusieurs vidéos. Comparé aux Astérix, il y a d'autres jeux, d'autres putain de mince livres que je vous ferai en vidéo, en une vidéo. Là, je crois que c'est bon. Un peu de musique et on se dit adieu les amis. Un peu de musique dans 5, 4, 3. Attendez. On refait. Un peu de musique dans 5, 4, 3, 2, 1. Et donc les amis, c'était Dragon Slayer et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si c'est le cas. Ciao à tous!